Bien bonsoir mes chers spectateurs. Aujourd'hui se termine Warhammer 40 000 Bolt'n. Nous sommes ici pour la huitième mission du chapitre 3, huitième et dernière de tous les chapitres du coup. On va tuer... Enfin l'objectif est de tuer le grand boss parce que... Enculé, l'arène, il y a du monde. Il y a... Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde quand je vous dis ça. Il y a également plein de boss différents. Et il y a 10 secrets au total. Alors je vous promets pas du tout d'avoir les 10 secrets, hein. Je vais essayer déjà d'en faire 6-7, ça peut déjà être pas mal. Mettre les principaux et puis voilà. Mais avec un coup de chance, je vous fais la tous. Et donc, on est parti! Pour Terra et l'Empereur. La la la. Donc là, on a de quoi se remettre full dans tout. Hop hop hop. Voilà, là on est vraiment full. L'aubaine de munitions, elle est bien placée. Donc si jamais vous commencez par cette mission, vous savez, dans la sélection, comme je vous avais expliqué, que vous perdez toutes vos armes si vous vous faites pas continuer en fait, bah voilà, là vous pouvez tout récupérer pour la dernière mission. Et nous allons affronter celui qui a créé cette horreur. Oh mon Dieu, je recommence du début. Je n'ai pas sauvegardé une seule fois. Je suis un débile. Bon, faut le mépriser. Bon, au moins, on va retenter. On va faire mieux cette fois-ci. Ça, on va le mettre sur ça, finalement. La grenade, là. Merci. Normalement, cette fois, devrait faire des dégâts. Putain! C'est quoi? Hop là. Putain, parce qu'il en a de la vie lui en plus, ce con. Hop. Donc ça fait une vie en moins. On va faire comme ça. Oh là là.
Oh, là j'ai sauvegardé par contre, hein. Merci. Avec sa connerie de truc violet là. Balle là-dedans. Ah, j'ai cru que j'allais faire du parcours, bah non. Ça a mal tourné. Ok. Hop. Putain! J'ai oublié de me mettre à couvert en fait, du coup. Ça me fait perdre tout le chemin que je prends, quoi. Bon. Ok, donc il est vulnérable. Sauf que vulnérable ne veut pas dire que je vais pour autant avoir un armement efficace contre lui. Hop là. Oh bah tiens. Il est où? Hop. Allez, on va descendre d'un étage. Hop, on se remet bien. Aïe! Où est-il? Attendez. Qu'est-ce que j'avais pris comme bonus là? Ok, donc j'avais pas pris celui de mission infinie. Donc là, on va le prendre. Je sais pas. Ouais, si, allez. Au pire. Il reste encore une vie, hein. Hop là, on redescend tout en bas parce que je me rappelle qu'il restait des petits trucs. Voilà. Hop. Ça s'est rechargé. Hop. Allez, 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 allez. Allez. Je fais que dire allez, je les ai, mais là je suis concentration max. Hein.
Je ne comprends pas comment il peut en rester autant. Où est-ce qu'il est, Tumulus, là? Mais où est-ce qu'il est? Ah! You're finally showing yourself, bitch! Ok. Bon, ça se déroule pas trop mal. C'est long, je vous l'accorde. Mais putain. Je préfère faire des retraits tactiques comme ça assez souvent. Cette fois ça a marché. Oh enfin putain. Oh là là. 13 minutes 99%. Oh 6, 7, 8, 9. Ouais 9. Oh là là. Je pense que je couperai un peu celle-là parce que le premier essai bah pas marché quoi. Je vais vous épargner genre 5 minutes de vidéo. Bon, bah voilà, on en a terminé avec Warhammer 40 000 Bolken. Alors ça aurait été une longue série de vidéos avec des légères pauses parce que bon voilà, je balance 22 vidéos quand même là sur YouTube donc tu vois, faut pas que j'oublie de les publier de une, et puis et puis voilà quoi, parce que oui, en vrai je devrais mettre les retardateurs, comme ça, hop, ça les poste automatiquement, mais il va falloir que je fasse des descriptions, des miniatures et tout, oh enculé, ça va prendre du temps ça aussi, oh. Mais bref, moi ce jeu, je l'ai kiffé, voilà, je vous donne avis honnête, je l'ai kiffé, bien que assez difficile en... Bah,
finalement en Exterminatus, parce que quelqu'un m'avait mis un commentaire sur ma vidéo découverte, comme quoi la difficulté finale bah, était pas si dure que ça. En fait, ça se corse beaucoup à partir bah, du chapitre 2, en fait. Et même vers le milieu du chapitre 1, ça commence vraiment à, si vous connaissez pas les secrets et tout, ça commence à piquer, quoi. Mais voilà. Donc voilà, on a fini pour mon avis honnête. Dites-moi ce que vous avez pensé du jeu dans les commentaires, voilà, si vous avez tenu jusqu'à cette vidéo-là, parce que bon, c'est quand même une grosse série que j'ai faite. Voilà, on se retrouvera donc pour sûrement un petit montage ou un truc comme ça sur un autre jeu. Parce que ouais, je prends une petite musique là sur YouTube que je kiffe, hop, et je mets un de mes jeux favoris dessus, ou des jeux que j'aime bien, et puis ouais, je m'y mets un peu là au montage. On s'y met doucement, mais sûrement, quoi. Allez, n'oubliez pas le petit like, de me dire ce que vous avez pensé du jeu en commentaire, j'insiste, dites-le. Et on se dit à la prochaine, la bise.